Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Petite actualité du jour avec une grosse mise à jour du Golden et ça fait plaisir. Voilà, le développeur Systro nous a tout simplement implémenté donc sur le Golden les derniers firmware en date, le 10.00 et le 10.01. Voilà, par une défaillance apparemment du Blu-ray, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir mettre le Golden hein, sur ces deux derniers firmware qui ont été tout simplement actualisés par la bêta 17.2 donc de Systro. Et ça, c'est franchement génial, que vous pourrez retrouver en description. À savoir que vous avez aussi un petit tutoriel que j'avais fait sur les firmwares en 9.00 et en 11.00, mais maintenant que c'est adapté sur le 10 et le 10.01, vous n'avez plus forcément besoin de faire la mise à jour. Donc là, c'est pareil, vous pourrez retrouver mon petit tuto que j'avais fait il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc c'est une énorme nouvelle, à savoir que Systro attaque donc justement le firmware en 9.60 qui serait un petit peu plus complexe, mais franchement, il y a beaucoup d'avancement sur le projet de la PlayStation 4 et je suis vraiment très content hein, puisque j'ai l'impression que ça se débloque un petit peu aussi. Voilà les amis, la bonne actualité du jour, la bonne nouvelle du jour hein, avec un nouveau Golden sur 4 nouveaux firmware maintenant, le 9, le 10, le 10.01 et le 11. Voilà, on est tout bon pour avoir une PlayStation 4 à la maison hein, pour jouer à tous ces jeux préférés. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao bye.